Alors, quel est votre nom complet? Laurence Emmanuel James Alia. Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que Tuture encule ta tave, c'est trop. Félicitations, Laurent. Non, mais c'est un petit prix. Vous boirez à notre santé ce soir en allant chercher ça. Surprise! Santé, chérie! Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement, il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça? Ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais le voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Je vous ai pas vu rentrer ce matin, c'est... C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Notre génération est capable de prendre seul. On est rendu là. Sky's the limit! Tu te déguises depuis combien de temps? Depuis aujourd'hui. On pourrait faire une surprise à papa. Je pourrais rentrer avec toi. C'est quoi le commentaire que t'entends le plus souvent? C'est spécial. Et là, c'est vrai que c'est spécial. On a préféré vous tenir à l'écart, Laurence. Pas vous bader de ça. Qu'est-ce que c'est un article? Tout va s'arranger, Laurence. On rit plus ensemble. Tabarnak, t'as tout un look, toi, Chris. Oui, allô, maman. C'est moi, c'est Laurence. On pourrait peut-être aller prendre une marche. Parce que ça va pas, maman. C'est important. C'est important. J'ai jamais eu l'impression que t'étais ma mère. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression que t'étais mon fils. Par contre, j'ai l'impression que t'es ma fille. Y'a rien, ni personne qui peut avaler cette histoire. Sauf toi, Laurence. Non, sauf toi. C'est toi qui as voulu ça, Laurence. On l'a fait, on a essayé, mais tu peux pas tout avoir. J'ai choisi de descendre la pente dans la peau d'une femme. Toutes les femmes la descendent. Après l'avoir montée. T'as-tu déjà acheté une perruque pour ton chum, toi? T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous, qu'il se fasse tabasser dans la rue, puis qu'il t'en revienne pas en